Et si le diable nous avait trompés? Si à la fin le diable paye, il se repentit, il dit que Seigneur, moi, ce qu'il faisait là, c'était à leur nom, hein, c'est pas moi. Moi, il me repentit et il part. Mais vous serez surpris de voir le diable au paradis. Hein? Vous serez surpris, puisque c'est aussi un enfant de Dieu. À tout moment, il peut dire que je me suis trompé durant toute ma vie. J'ai induit des gens en erreur, je le sais. Je me confesse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour enfin accéder à la gloire. Et il vous laisse dans l'indemnement. Il vous laisse à l'enfer seul, lui, go au paradis. Il part au paradis. N'essayez pas de faire que les gens vous aiment. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que, moi, par exemple, je ne débat pas sur Internet. Donc, quand quelqu'un vient et dit quelque chose, je ne débat pas, je bloque juste. Je ne veux pas de débat. Je veux dire, j'accepte qu'il ne soit pas d'accord. Donc, il part sur la page du pape. Donc, je veux dire, c'est la liberté, non? S'il n'est pas d'accord, il faut qu'il aille où les gens disent les choses que lui, il aime, pas sur moi. Parce que ma page, c'est la dictature. Ma page, c'est la radicalité. Il n'y a pas de démocratie sur ma page. Où le peuple dit ce qu'il veut, il n'y a pas de vote. Donc je dis ce qui me plaît, si ça ne te plaît pas, je t'enlève. Tu pars où on dit ce qui te plaît. Il n'y a pas de problème, c'est ton droit. Parce que ce n'est que ça qui peut rendre une idéologie forte et une communauté puissante. C'est ça. Mais le problème, c'est que les entrepreneurs veulent que les gens les aiment. Veulent qu'on parle bien d'eux. Pourquoi on a parlé bien de toi? Pourquoi? Bats-toi pour qu'on te respecte, pas pour qu'on parle forcément bien de toi. Ce n'est pas nécessaire. C'est une perte d'argent, une perte de temps qui est inutile. Donc, il faut être radical. Si vous vendez un produit, soyez radical. Si vous vendez un service, acceptez qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de votre service. Et vous faites tout pour qu'ils comprennent que ça ne les concerne pas votre produit ou votre service. Moi, j'aime toujours le dire, si quelqu'un dit que votre produit est cher, ça veut dire que soit vous ne vous êtes pas adressé à la bonne personne, soit vous ne vous êtes pas vendu de la bonne façon pour que votre produit reflète sa valeur. Ce sont les deux cas de figure. C'est-à-dire que si vous venez avec un produit, vous dites que ça coûte 10 000, quelqu'un dit que c'est cher. Soit ce n'est pas la personne à qui vous devez vous adresser, c'est-à-dire ce n'est pas son niveau en fait. Et vous devez plutôt vous adresser à une autre personne qui comprend le besoin et qui est prêt à payer. Soit c'est vous qui présentez le produit d'une manière dont ça ne rend pas ça crédible par rapport au prix que vous donnez. C'est tout. Le problème n'est jamais le produit. Le problème, c'est soit vous, soit la personne à qui vous vous adressez. C'est-à-dire la cible. Parce que même les hôtels, il y a des catégories. Tu ne peux pas entrer au Hilton de Yaoundé. Tu dis que je veux une chambre. On dit que les chambres commencent à partir de 189 000. Tu dis non, c'est cher. Ce n'est pas pour les pauvres ici. Va à l'auberge. Il y a les auberges de 3 000, de 2 000. Il y a les auberges où quand tu prends deux chambres, une chambre est offerte gratuitement. Va là-bas. Va où ton argent te permet d'entrer. Ne viens pas dans un endroit et tu dis que c'est cher. Non, si tu es pauvre, va où les pauvres sont. Mettez-vous ensemble, mariez-vous. Vivez ensemble. Et le jour où tu vas te dire que j'en ai marre de devenir pauvre, là tu commences à mettre sur pied des mécanismes qui te permettent de passer à un autre niveau. Et là, ça va demander de la douleur parce qu'il faut que tu fragmentes d'abord ton cerveau pour accepter que je ne vais pas mourir pauvre. Je peux aussi accéder à la grandeur. C'est possible. Ne pleure pas tout le temps, ne te plains pas tout le temps. On s'en fout d'ailleurs de tes plaintes. Les autres n'en ont rien à foutre de tes plaintes. Même si tu meurs, rien ne va changer. Il y a des gens qui croient que s'ils meurent, le monde va s'arrêter. Peut-être que ce sera mieux qu'avant. La discipline, c'est la chose la plus compliquée. La discipline. Moi, je vais vous donner un exercice. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale
recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.